Passe-moi un hockey. Le secrétaire général m'attend à son bureau dans 10 minutes. Dans 10 minutes, on est parti. Où est-ce que vous allez? À Louisville. Si je dis ça au commissaire, il va grimper dans les rideaux. C'est grimper, c'est très simple. On peut pas finir un film sur les textiles sans aller à Louisville. Justement, il est pas fini, ce film-là. Quand je signe un contrat avec un hôtel, je m'engage à fournir une danseuse du mardi au dimanche soir. Puis quand tu parles avec un client le vendredi, t'es pas là pour donner ton show le samedi, ni le dimanche. Puis c'est moi qui ramasse la merde. La merde, j'aime pas ça. Comprends-tu ça? T'es chic un matin, le Bob? Ben, imagine-toi donc que je viens de rencontrer les fonctionnaires du gouvernement. Tu sais qu'on va avoir 85 000 piastres pour nos pistes de ski, l'initiative locale. Ça va faire la deuxième année qu'on a ça. T'es sur le bon bord? Ah, qu'est-ce que tu veux? Dans ces affaires-là, il faut savoir patiner. Tu veux, t'as le trois quarts du monde qui sont sous chômage. Pour le tiers de textile, les questions sont slaquées 200%. C'est la même chose partout, mon vieux. Ça marche bien. Oui. Ça tu sais, tu le prêt? Non, monsieur.
femme est en train de préparer ta chambre. Okay. En haut de l'escalier. OK. C'est ma chambre, ça? C'est la chambre de la danseuse. Je couche pas là, moi. Je viens des motels en arrière. C'est réservé pour les clients. Faudrait que prendre le dernier motel au bout. Mais s'il y a du monde, tu vas devoir le déménager. Sur le contrat, vous êtes supposé me nourrir puis me loger, pas me loger comme un chien. Les chiens couchent dehors. Ouais, mais ils dansent pas, tes chiens. Ça doit être chaud, un motel. Hein? Moi, je vais prendre un motel. Pourriez-vous me faire un between the sheets? Moi, je vais prendre un yellow bird. Quatre petites moussines? Quatre moussines. Mmh. Vous voulez pas venir vous asseoir avec nous autres? Mm-hmm. Comme ça, c'est vous qui êtes la nouvelle danseuse. Mm-hmm. Faites-vous un bon show. J'espère que ça va être à votre goût. Ça s'est passé le 11 décembre 1952. On est en grève depuis le commencement du mois de mars. Vers 7h du matin, on est arrivé pour faire du piquetage, comme d'habitude, devant la grande barrière là-bas. Tout d'un coup, les portes de l'usine sont ouvertes. On a vu sortir la police provinciale. L'espoir d'antisubversive. La compagnie les a fait rentrer durant la nuit. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes, là. Ils sont jetés sur nous autres avec les matraques. Avant de perdre connaissance, moi, j'ai eu le temps de les voir sortir le revolver puis commencer à tirer dans la foule. Bonjour. Qui est-ce que tu travailles, monsieur? Pour l'Office national du cinéma. Dans quel but est-ce que vous filmez ici? On fait un film sur le textile. Est-ce que vous avez demandé la permission de la compagnie pour filmer l'usine ici? Non, non, pas dans ce cas-ci. On vient justement de nous téléphoner.
La textile, vous a téléphoné pour savoir ce qu'on faisait ici? Oui. Est-ce qu'ils sont inquiets? Non, ils veulent savoir le pourquoi de la chose. C'est leur droit, ils sont les propriétaires. Oui, est-ce que je peux voir votre permis de conduire, l'enregistrement du véhicule? Oui. Ah. 27, le cap de fin. On a lu dans les journaux que c'était les grévistes qui avaient attaqué la police. Le premier ministre a condamné l'usage de la violence. Et puis le syndicat, ben, il a été aboli. Et puis, un mois après, tout le monde rentra. Mais la compagnie a été obligée de donner une augmentation d'une cent et demi de l'heure. Mais moi, j'ai perdu ma job. C'est rien, j'ai été chanceux pareil. J'ai été chanceux de trouver un job, un bon job. Je fais le ménage dans les écoles la nuit pour la commission scolaire. Ah, j'ai lu dans le journal, il n'y a pas longtemps, que le capitaine qui dirigeait l'escouade en 52 ici, il vient d'être nommé directeur général de la Sûreté du Québec. C'est drôle, hein? Bonjour, les gars. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur... Carpentier. Ah oui, ça va bien, monsieur Carpentier? Pas mal, merci. Ah. Je m'aperçois hein, que j'ai eu des problèmes avec nos policiers municipaux. Ouais. c'est ma secrétaire qui les a appelés. Elle est un peu gênée. Je peux-tu vous demander sur quoi vous êtes en train de faire un film? Oui, c'est un film sur les textiles. Ah, textiles. Ah, c'est intéressant, ça. Vous êtes de Radio-Canada? Non, non, de l'Office national du cinéma. Ah bon? Ah, je vous demande ça, c'est parce que j'ai des bons amis à Radio-Canada. Ben écoutez, on n'est pas pour rester ici. Venez donc au bureau, il y a M. Freeman, notre gérant général, qui aimerait bien ça vous rencontrer. Bon, bon. Maintenant, disons dans une demi-heure, parce que maintenant, il faut passer à notre hôtel. Une demi-heure? Oui. D'accord. Bon. Tantôt, les gars. Monsieur. To be so nice. A young, clean French Canadian. Il y a pas de moins business. Il a l'air d'un pimp. Mais c'est un pimp. Right now, where is my attaché case? Oh, not again. Il ne faut pas tout le temps, ça. It always winks. To tell you the truth, I find it a little unusual that we weren't notified of your arrival. In fact, we have a very loose schedule. Mind you, we always notify our production office. But they are civil servants. And maybe they forgot to notify in turn your own head office in Montreal. You know how it is with civil servants. Yes. As a matter of fact, I just called head office myself, and they seem to be aware of your project. They even told me that you interviewed our president, Mr. Prince. Oh, yes, a very good interview. He's such a... he's so articulate. Yes, you can say that again. Yeah, so articulate. What we would like to do here is a few general shots of the plant and maybe a couple of interviews with members of the management. And some workers. Well, boss, we did it again. You sweet chunk of you. Pete, okay now. Let's go in and fuck them. Yeah. Not this. Thank you.
Bon, les filles, faites vos parents, là, hein? Pour une fois que vous avez la chance de faire du cinéma, il y a, un aptitude qui va devenir une vedette, on ne sait jamais. Monsieur Chabat. Oui. Est-ce qu'on pourrait aller dans votre bureau? J'aimerais ça qu'on prépare un peu l'interview qu'on va faire tantôt. Oui, c'est toujours mieux quand une interview est préparée d'avance. Ça va vous donner le temps de réfléchir. Mais c'est parce que... Les gens sont nerveux, vous savez ce que c'est. Les caméras sont pas... Mais je pourrais pas, hein, donc... Monsieur Chabot nous a annoncé ça tout bonnement, hein? À la fin du mois de mars, il était pour envoyer 190 employés, 70 femmes puis 120 hommes, à cause de la modernisation puis des changements de production. On n'a rien dit sur le coup, on est resté trop bas. Le temps de la main-d'œuvre était bien bon pour moi. Ils m'ont aussi trouvé une place en Ontario. Je parle pas l'anglais. Une fois arrivé là-bas, qui c'est qui nous dit qu'ils ne mettront pas de boire au bout du cimetière? Puis, arrivé dans une nouvelle usine, il faut prendre des machines que les autres ne veulent pas. 90 cents, une pièce de l'heure. En 40 pièces par semaine, quand on est 6 à la table, l'été, on peut toujours s'arranger, mais l'hiver, on est mince. Je vais tourner laver des planchers, je suis plus capable. Puis... Ben, moi j'attends qu'ils nous mettent dehors, puis je m'en vais à Montréal. Mon fiancé est déjà rendu. D'ailleurs, ici, je peux intéresser. Les salaires sont pas assez élevés, puis les emplois sont trop rares. Dans les petites villes, quand il y a seulement une ou deux usines, si on est renvoyé, il n'y a pas de possibilité d'aller ailleurs. La preuve de ce que je dis, c'est qu'ils sont obligés de faire venir des Espagnols pour travailler à nuit. Des quoi? Des Espagnols. Ils font venir d'Amérique du Sud. Vous avez pas vu? Es un señor Chávez que trabaja en esta misma compañía de textiles americanas. Que la fábrica textiles de aquí, de Louisville, es de una misma compañía americana. Ça a l'air que c'est un nommé Chavez qui travaillait pour une compagnie américaine, qui est allé chez eux en Colombie, puis qui les a engagés pour venir travailler ici. Demande-lui s'il y a d'autres Colombiens qui travaillent dans le textile ici ou aux États-Unis. ¿Saben ustedes si hay otros colombianos que estén trabajando en los Estados Unidos en las compañías textiles? Que sepamos, nosotros en seguridad hay personas, unos amigos en Carolina del Norte. Y hay compañeros, amigos y colombianos en Boston, en Nueva Jersey y en Nueva York. También, pero no sé si trabajan en textiles. Sé que hay varios colombianos en Nueva York, amigos de nosotros también. Ça a l'air qu'il y en a un peu partout. Il y en a en Caroline du Nord, New Jersey, Boston, à New York. Mais il n'y a pas ceux qu'à New York, c'est dans le textile. Actualmente, habemos colombianos que estamos ganando aproximadamente 120 dólares por semana. Pero es decir, de ahí deducen los impuestos para el gobierno, seguros sociales, en fin, nos queda un promedio libre de entre 90 y 100 dólares a unos. Otros que están más recién llegados están ganando 80, 85 dólares por semana. O sea que están ganando menos. De acuerdo a las condiciones de trabajo, es más o menos aceptable. Trabajo pues... Es el mismo trabajo que estamos acostumbrados a hacerlo o que estamos acostumbrados a hacerlo en Colombia. Ils font à peu près 125 par semaine, puis le reste 85 clair. Ils doivent déduire le billet d'avion. C'est la même chose qu'ils faisaient là-bas, puis ils trouvent ça pas pire, en tout cas. C'est le même job. Ça Thank you.
Hey, everybody! Ouais, vous avez un gros jeu. Y a-t-il quelqu'un qui veut jouer nous autres? Chevaux, vous? Vos dents que ça? La partie sera pas belle, hein? Longue comme ça. C'est vrai que les danseuses, ça fait bien de l'argent. Excuse-moi, police. Tu vas être obligé de suivre, c'est ça. Pas capable de passer comme un homme. Mon dis donc, tu te... Bon, ben, sans faire une. L'avais-tu collé? Mais comment ça, collé? On vient de le dire. Caution. La 12 au sol. La 10 dans le 16. La 15 par la 3.
quatre dans le coin. La 13 au centre. À 5 à 4. Chez le Rex, c'est... La 11 dans le coin. Tu me donnes quoi si je la fais? Je te donne un bec. Ah, ok, la mousse. La 9 au coin et la 8 dans le même coin. 9, 5. Ça vous a coûté 20 piastres? Ça vous tente pas dans ce genre-là? Un autre pas. Ma sœur. Bon, ben, c'est parfait. Vous allez pouvoir venir avec nous autres. Ah, oh, ben, je sais pas, par exemple. Il n'y a pas un chat dans l'hôtel, puis votre mari est là. Le premier garçon qui sortait avec moi, il jouait au hockey junior A, Trois-Rivières. T'es mariée, toi, Lina? Non. T'es un ami? Oui. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ricky. T'es-tu mariée, toi? Ouais.
T'as-tu des enfants? Toi, t'es-tu mariée? T'as-tu des enfants? Puis lui, il est-tu marié? Il dit que non, mais dans le fond, c'est pareil comme ici. Vous autres qui le dites, ça? Je suppose que lui aussi est marié. Oui, si. Ezekiel. Ça fait bien des hommes mariés, hein? Le marié, un papa de maladie. Vous êtes pas fidèle. Fidèle? Eh, on est fidèle, certains qu'on est fidèle. Hein? Moi, je suis fidèle. Travaillez fort, vous autres! Nous autres aussi. On ne crée pas les salaires de Radio-Canada, nous autres. Je suis venue au monde sur une ferme, dans le bas du fleuve, proche des frontières du Maine. On était 12 à la maison. Là, mon père a décidé d'abandonner ça pour s'en venir travailler dans le textile. Après la grande grève, mon père est mort. Il a fallu que je commence à travailler. J'avais seulement 13 ans. Mais vu que j'étais orpheline, ça a été plus facile pour le permis de travail. Le premier matin que je suis arrivée à l'usine, le patron, un gros patron, m'a dit, as-tu l'expérience? Qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit carrément que je savais rien faire, même pas enfiler une aiguille. Là, il m'a répondu, qu'est-ce que tu fais ici à matin? Alors, je lui ai dit, si vous me le montrez, je vais pouvoir l'apprendre. Je ne suis pas plus fort que les autres. Comme il a vu que j'étais sérieuse, que j'étais pas là pour m'amuser. Il s'est assis à côté de moi pendant toute une journée, de 7h du matin à 5h du soir. On faisait la journée de 9h d'ouvrage. Puis il m'a tout expliqué la machine, morceau par morceau. Au début, je trouvais ça bien compliqué. J'étais terriblement nerveuse, puis je comprenais rien. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la couture. Après un an, le gérant est venu me voir pour me dire, « T'es jeune, t'as encore le temps d'apprendre. » J'avais 14 ans. On va te mettre à flac, là. La flatlock, c'est la machine la plus compliquée de l'industrie. Ça m'a donné terriblement mal dans le dos. J'arrivais chez nous le soir, j'étais tellement énervée et fatiguée que j'étais plus capable de manger. Je voulais voir personne, je me renfermais dans ma chambre, je disais plus un mot.
fin de compte, j'ai dit à ma mère, ça sert à rien, je suis plus capable, je démissionne. Mais là, ma sœur qui travaillait avec moi m'a parlé. Elle m'a dit qu'il fallait pas lâcher, qu'avec le temps, ça viendrait. Fait que j'ai continué, puis j'ai fini par m'habituer. C'est parce qu'avant de me marier, j'étais infirmière à l'Hôtel Dieu de Trois-Rivières, dans le bloc opératoire, avec les chirurgiens et les anesthésistes. Marcel, lui, était écœuré de voyager, ça fait que, en se mariant, on a fait le premier versement sur l'hôtel ici. Sans dame. Bonsoir, Marcel. Allô? Je pense que ça serait là d'être changé. Votre femme, elle est fatiguée? Oh, les femmes, c'est toujours fatigué. Anyway, c'est pas moi qui l'ai forcé à faire ça. Elle voulait qu'on soit ensemble tous les jours. Moi, je ne pouvais pas continuer à être voyageur, elle est tout le temps parti. Anyway, l'hiver passé, j'ai dit à mon beau-frère, viens prendre l'hôtel, puis j'ai payé un voyage à Hawaii. Ben, t'aurais dû avoir en revenant. Tout de suite, à quatre pattes à terre après l'avoir plongé. Puis elle avait l'air de bonne humeur. Voilà. Il paraît que c'est mieux pour les clients. Ça fait des belles gens. C'est des between the sheets. Tilda. Va donc dire à ton ce que je veux lui payer avec. Pas dedans,
13, 14. Ah, pas 30 grosses. Ça va nous faire un temps. Mais ton fond, il est déjà pas mal fait. Regardons ça. C'est Dolores. Ne regarde pas, soit Dolores. Les gars de la télévision, ils sont pas meilleurs que nous autres. Ça, on va le savoir demain matin. On va le dire un jour. Il aimera pas ça. Lui qui travaille comme un chien pour te marier. Belle blouse. C'est-tu du scalier? La chemiserie. Avant ça. Avant quoi? Avant la chemise. Je sais pas. Tu crois oui. Elle est cousue dans un sweatshirt. Peut-être par de la race. C'est pas si beau que ça, ce qu'on fait chez nous. Avant ça, il y avait du tissu, le coton, le penny, puis le calme. Puis avant ça, dans le Mississippi, il y a un aigle qui est obligé de ramasser. Coudon, est-ce que tu fatigues-tu ma blouse? Inquiète-toi pas, on va l'enlever tout à l'heure, je paye pour ça. Ils sont drôles, ces gars-là, par exemple. Je suis pas smart. Nous autres, on est pas smart. Nous autres, on est plates. Hey, Gina. Nous autres, on est pas smart. Quand est-ce que tu nous les montres, tes tatons? J'espère que ça va être. Moi, c'est les fesses que j'ai hâte de voir. Ça a l'air avec le genre à faire de la cellulite, ça. Ta petite sœur, en a fait-tu de la cellulite, elle? Lâche-moi, hostie. Tête, tête. Rends-tu dans le jeu de bois, ça, dans cette club. T'as fait? Dans ça? La paix. Je suis un homme d'affaires, je vais être direct. Êtes-vous libre après le spectacle? Non. Disons que j'ai 100 dollars de trop. Non, merci. Je sors pas. 150? C'est pas une question d'argent, je sors jamais. Certain. Dommage. Un jour, tiens pas. C'est jamais pareil. Entre 75 et 80. Vous êtes payé à pièce? Oui. Toi, combien tu fais? Moi non plus, c'est jamais pareil. Entre 400 et 450.
Salut. Bonsoir, Dolores. Tu me réveilleras demain matin. Il est pas travaillé. Fatigué. On fait le pas pour s'amuser, sauter, danser. Le textile, c'est un domaine qui vieillit une personne avant le temps. Quand on travaille, il faut toujours essayer de penser à autre chose, parce que si on pensait à l'ouvrage, on ne travaillerait pas une semaine. On viendrait la tête à l'envers. Mais moi, tout ce que je demande, c'est qu'un jour, puisse me permettre d'avoir ce que je souhaite avoir. Un manteau neuf, un stéréo, une voiture sport, avec des couleurs barbares, d'or argent, le temps noir, des vacances atlantiques cité. Mais je souhaite pas être millionnaire, par exemple. Parce que même si j'avais 1 million en banque, j'aurais pas le plaisir que j'ai aujourd'hui. D'accord, tu vas me dire que j'ai de la misère, que je travaille comme une folle pour arriver à me payer un manteau ou un meuble dans la maison. Mais j'ai quand même le plaisir de me dire que c'est moi qui l'ai gagné, ce meuble-là. C'est moi, ça vient de moi. C'est pas un autre qui me l'a payé. J'ai pas fait cet argent-là sur le dos d'un autre en essayant d'abaisser quelqu'un. C'est une satisfaction qu'on a quand même, d'être pauvre.
Bon, ben oui. Hein. Soirée, hein? Elle travaille à 7 h demain matin. Gina, Gina, on fait bien des farces avec ça. Au fond, on t'aille pas, tu sais. Moi, personnellement, c'est le meilleur show de danseuse. Comme ça, vous avez aimé ça? T'as encore crampé. Tu parles bien, le garage. Dis donc tout de suite que tu vas à mettre, ça va aller plus vite. Hey, Chris, je t'ai payé un verre, je vais le boire avec nous autres. Donc, tu l'aimes. Toi, Carole, m'a déplacé. Tu me vois encore sans bec? Ah, ça veut juste apprendre tout à l'heure, quand je t'ai à faire, là, je m'en vais coucher. Ça? C'est le moment. T'as pas confiance? Je me rappelle la dernière fois. Ah ouais, mais la dernière fois, t'as rien fait. Je fais pas n'importe quoi, mais je l'ai dit. Correct, correct. Je vais t'attendre dans mon char. Cette nuit, le mercure descendra aux environs de 0, tandis qu'on prévoit pour demain un maximum de 20 degrés. Voici maintenant l'horaire de la journée de demain. 8 h, ouverture, horaire, notre premier bulletin de nouvelles. 8 h 15, en mouvement. Qu'est-ce qu'il y a? 8 h 30, c'est Marcel. 9 h, dessins animés. 9 h 30, pour vous, mesdames. 9 h 30, personnalité féminine. 11 h. Qu'est-ce qu'il y a? Midi. Je veux vérifier ton thermostat. 12 h 30, pour vous. 1 h 30, téléjournal. 1 h 35, c'est pas trop froid. C'est correct. Si ça vient trop chaud, t'as juste à baisser le contrôle. Pas besoin d'autre chose? Non, merci. Oh, pas de petite gêne. Ta femme va te chercher, là. Bonsoir. À demain. Laurent Chawili, 8 h, vedette en direct, 9 h, les grandes productions qui mettent à l'affiche entrée de service, comédie avec Michael Gregg, Anne Haywood et James Robertson Justice, 10 h 30, téléjournal et nouvelles du sport, 11 h, appelez-moi Lise, minuit, cinéma de minuit qui présente Fiançailles à l'italienne, comédie avec Nino Manfredi, Pamela Tiffin et Hugo Tonazzi. 1 h 30, dernier bulletin de nouvelles et fin des émissions. Le KRT TV, opérant sur le canal 3, diffusant avec une...
suis pas capable, je sais pas ce qui se passe. Je suis pas capable. Ouais, vas-y, t'es capable. C'est pendant la grande grève. Mais après, ça a-tu tiré, ces grévistes? Ben oui. Ils tiraient-tu? Ben oui. Tu vois, tiens, regarde, tu vois le poste de police. Ah, puis c'est que c'est en haut, oui, oui. Attends. Si l'ouvrier ne sauve pas l'ouvrier, qui donc le sauvera? Nos droits envers et contre tous. C'est dans le local du syndicat. Après la police est allée là. Ouais, après, il y avait des grévistes qui étaient restés dans le local, puis sont allés les... Parce qu'ils ont sorti par la fenêtre. Ouais. Quelque chose du genre, c'est une maison privée, ça. Les femmes des grévistes, après avoir été au local, ça, étaient allées dans... La police est allée dans les maisons? Ouais. Puis après ça, toi, t'es allé travailler pour eux autres. Chut, pas si fort. Tu vas réveiller tout le monde. L'album de photos. On va le filmer demain. OK. Fais attention. Êtes-vous pacté? Tu peux-tu nous réveiller à 10h demain matin? Okay. Gina, hein? On va pas se coucher.
de faire. À son départ de Washington, M. Kissinger saisit confiant de voir se rétablir rapidement les conditions. Le président de la Banque mondiale, M. Robert McNamara, a déclaré hier soir à son Il s'assoit avec nous autres. Laisse-moi tranquille. C'est qui, hein? Laisse-moi tranquille. Et qu'un réajustement devrait éventuellement être entendu dans le contexte de stabilisation générale de l'économie des pays et du privé. Il a ajouté que les situations récentes au niveau de l'échange n'étaient pas sans montrer des symptômes inquiétants pour la stabilité de l'économie internationale. Pour le national. Ailleurs, dans la Ligue junior majeure du Québec, Hall a défait Québec 3-2. Cornwall s'est incliné devant Chicoutimi 4-3. Dans la Ligue nationale, Los Angeles a battu Toronto 2-1 et San Francisco a fait match nul avec Vancouver 2-2. Les Canadiens de Montréal étaient inactifs hier, mais demain soir, ils recevront les Rangers de New York au Forum. On s'attend à ce que cette partie marque le retour au jeu du batteur blessé à un genou. Dans l'association mondiale, Québec a perdu 5-2 contre Chicago. Il s'agissait de la victoire Québec contre les Américains. Ailleurs, Houston a défait la Nouvelle-Angleterre. Il est beau. Il est au moins. Il est au moins 10. Au moins. Il a perdu 3-1. Des ennuis. On n'en avait pas, tu serais pas là. Vous êtes allé tourner à l'usine ici hier. Le gérant a averti le bureau chef de Montréal. Et puis le président de la compagnie est allé manger avec le commissaire. Hier soir au Canadian Club. La production de votre film est arrêtée à partir de ce matin. J'ai pas voulu vous dire ça au téléphone. On doit faire ça. On doit faire n'importe quoi. De toute façon, vous ne pouvez plus entrer dans aucune usine de textile au Canada. Toutes les compagnies sont prévenues. À part de ça, ce matin, à 9h, l'assistant commissaire faisait saisir votre négatif. On a un syndicat, les gars, on me défend. Ah oui, qui? Non. Non, il faut essayer d'aller sauver notre négatif. Est-ce qu'il y en a un qui veut remonter avec moi? Je suis tout seul dans mon auto. Je t'aimais, là! Si je t'aimais! Ça prend des crises de chien! 15, hostie, 15! Je suis capable d'en prendre, il y a une hostie de limite, là! Il y a une hostie de limite! On va commencer par aller dire un mot à notre ami Marcel. Elle n'est pas là. Il est à la régie des alcools. Tu dis là qu'on l'attend dans le bar. Allez-vous revenir?
sais pas. Vous n'êtes pas resté longtemps? Non. Bonjour. Bonne chance. Bonjour. Bonne chance à vous aussi. Sans me dire bonjour. Bonjour. T'as rien qu'on peut faire pour toi? Quoi? C'est bon. Ah, je vais te demander ça, c'est quoi ton nom? Gino. Non, ton vrai nom. Gina. Ok, salut. Salut. C'est l'album de photos chez ta mère. Ok. Ok. Bon, voilà. Ok, merci. C'est que j'aime. You're not allowed to stand there. What? You're not allowed to stand there. Vous n'êtes pas permis de rester ici. C'est le terrain de la compagnie ici. Voyons. Un club de skido hier soir dans le club? Ouais. Je veux savoir le nom de ceux qui étaient là. Je veux savoir tout ce que vous savez. Moi, j'ai un commerce. J'ai besoin des clients. Anyway, je veux pas avoir le trouble. C'est justement ça. Ils se tiennent dans un bateau abandonné au bout de la rivière, proche du fleuve. Passer le chantier maritime. Hier. Thank you.
Tu bois tout le temps aujourd'hui, t'as-tu des peines d'amour? Deux 26 onces de gin Tanqueray. Bonjour. Bonjour. Tu finis de travailler? Oui. Faut que je me dépêche. Mon fiancé m'attend à maison. C'est ça, dépêche-toi. Vous devriez pas faire de trompe, ça donne jamais rien. Oui, hein? J'ai vu des statues dans des parcs. Des quoi? Des statues dans des parcs devant des édifices. Oui. Tu as déjà vu la statue d'un gars qui a vraiment fait de mal à personne? Je sais pas. Moi, j'ai vu la statue du Plessis. La statue de Churchill. La statue du général de Gaulle. La statue de Napoléon. Tous des chiens sales. Toute une gang de tueurs. C'est ça que le monde respecte. Les gars qui se tiennent ici de tous les soirs, essaye de les aider. Essaye de leur ôter leur skidoo, ils vont te cracher dans la face. Essaye de les fourrer, par exemple, faire venir une danseuse pour les faire boire. Chris, ils vont s'endetter pour venir te porter leur argent. Ils vont saigner à blanc. Tu le sais, c'est ça que tu fais, ton mari pis toi. Ça sert à rien de brailler. Faut que le monde ait peur de toi. Y'a rien que ça qui comprenne. Mais je l'ai vu aujourd'hui deux fois. Elle, puis? Pas rien. On n'aurait pas dû faire ça. Ces filles-là, ça marche pas avec la police. Ah, oublie ça, là. Viens. On va aller faire un tour dans la cabine du capitaine. Thank you.
Thank you.
l'ai tué parce que je l'aimais. OK, coupé. OK, on va faire droite. Puis, ça allait, ouais? Ça donnait une belle image? Oui. Dis-moi, mes cheveux cachaient pas trop... Bien. Ah bon, puis, t'as pas vu mon micro, hein? Ah, bon, OK. On se couchait tôt hier, alors je vais te rentendre ce matin. C'est fait. Comment ça a été, vous, micro, monsieur? Le micro, il était pas dans le chat? Hein? T'as-tu dans le shot, le micro? C'est bien la première fois. Thank you.